Génie, spécial Virgin Radio Live by Ibis. On est en compagnie de Gavin James. Bonjour Gavin, bienvenue à Bordeaux. Hey. Florian Thauvin qui va avoir un objectif très précis, évidemment, c'est de pouvoir prétendre à une place dans le groupe France pour l'Euro. Donc je pense qu'il va se donner les moyens, si évidemment sa cheville tient, ce que je lui souhaite. J'ai déjà eu deux trophées depuis le début de la soirée. Il y a notamment cette étoile qui récompense les femmes à Bordeaux. C'est bien aussi, il y en a de plus en plus qui ouvrent leur commerce. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme petit conseil peut-être aux futures jeunes femmes qui ont envie de se lancer dans ce fameux commerce bordelais? L'UBB, c'est le meilleur club parce que clairement, on a le stade pour accueillir à des matchs de top 14. Puisque effectivement l'objectif, on le répète pour Olivier Giroud, c'est évidemment de disputer l'Euro avec l'équipe de France. Je suis avec un ancien étoilé, bonsoir. Bonsoir. Alors racontez-nous un petit peu, vous qui avez déjà vécu l'expérience, ravi j'imagine de la renommée que ça a pu vous apporter. La tortue Béglaise aujourd'hui, toi tu connais ça, Agen? Thauvin et Benedetto, ça marche ensemble aussi. Je ne vois pas pourquoi l'OM pourrait dire adieu au podium, sachant qu'ils sont juste à 3 points. Vous l'avez annoncé, ils sont là, je suis à côté d'Offenbach. Salut les garçons. Salut, ça va? Bah, ça va bien, ravi de vous accueillir dans la vraie capitale de la France. Vous êtes ici à Bordeaux, c'est ici la capitale, hein, c'est pas Paris. Je sais pas si vous étiez au courant. Bon, dites-nous, on va voir du coup un petit peu les deux versions. Pour vous, qu'est-ce que ça vous a apporté cette étoile en un an? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc en gros, ils se concentrent sur le championnat, ils disent ciao à la Coupe de la Ligue, alors que clairement c'est une option, avec l'effectif qu'ils ont assez complet comme ça, c'est clairement une option de pouvoir pourquoi pas jouer l'Europe, et je trouve ça hyper dommage de leur part. Avec tous les joueurs de l'UBB et le sélectionneur qui arrivent tout droit de l'UBB, en France ils vont commencer à connaître le jeu, pas à la genèse mais à la Béglaise en tout cas. Alors Péchu, ça veut dire qu'on le rappelle, il est québécois, Peter. Péchu, ça veut dire qu'il est un petit peu plus enjoué, un petit peu plus entraînant. Quoi? Oui, c'est aberrant, mais sauf que là, pour lui, l'objectif, il est tellement clair et précis que, en fait, s'il peut s'enlever ce petit potentiel tracas supplémentaire, je trouve que c'est une bonne idée.